mon avis, là, que je dis, là, je ne sais pas ce que Gilles en aurait dit, mais moi, là, ce que je me dis, c'est que la psychoéducation actuelle, là, telle qu'elle est actuellement, oui, elle n'aurait pas pu exister. Parce qu'on a toujours dit que la conception qu'on avait, c'était d'utiliser tous les moments de la vie ordinaire, oui, en vue de la rééducation, en vue du changement de la personne, de son amélioration, de son évolution. Alors, c'est ça, tous les mouvements, c'est ça la différence avec les psychologues et les, oui, autres. Tu sais, c'est le milieu, dans le fond, qu'on organise et puis qu'on anime, oui, qui aide le jeune à se prendre en main. La définition d'éducateur, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose pour le jeune, c'est quelqu'un qui permet à un jeune de se développer, de découvrir son potentiel, oui, et d'exploiter son potentiel. Okay. C'est sûr qu'au départ, on trouvait que le service social ne rejoignait pas les jeunes dans la rue. Les psychologues ne les rejoignaient pas, les professeurs ne les rejoignaient pas. Il fallait les rejoindre à la fois en enseignant, bien des fois en le permettant de se construire. C'était une force de Boscoville d'exprimer les choses. Au lieu de les exprimer avec tes poings, tu parles. Et aussi, les équipes d'éducateurs, c'était la même chose. C'était des équipes de travail tellement fortes, les choses se disaient entre, tu sais, parce que ce qu'on se disait, la cohésion d'équipe, c'est ce qui fait qu'on va avoir une influence positive chez les jeunes. Il y aura des chercheurs de l'étranger, des États-Unis comme de l'Europe, qui viendront faire des séjours d'observation dans cette institution là, qui est située à la Rivière-des-Prairies, donc ce qui fait partie de Montréal aujourd'hui. On voyait des gens d'un peu partout à l'international venir vraiment observer les méthodes qui avaient été développées au Québec. Et dans plusieurs rapports internationaux de l'époque, on disait, mais mon Dieu, le Canada, on parlait surtout du Canada, est vraiment en avance du point de vue de l'approche qu'il faut avoir avec des jeunes qui sont inadaptés, comme on disait à l'époque. Au niveau des agir plus délinquants, bien, il pouvait y avoir des garçons qui avaient commis des vols à répétition. Il y avait des garçons qui avaient commis des agressions. Il y avait des homicides. Donc, toute la panoplie, si vous voulez, un peu, des comportements délinquants qu'on peut observer encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour ce séminaire qui va, au fond, présenter l'histoire d'une profession, mais en même temps l'histoire d'une institution, Boscoville. Alors, on va voir comment cette institution-là est vraiment aux premières loges, aux premières étapes de la psychoéducation. On sait aujourd'hui, quand on pense à la psychoéducation, que c'est une discipline, c'est une profession qui s'adresse à plusieurs clientèles. Hein. Mais à l'origine, c'était vraiment une profession destinée aux délinquants, aux jeunes délinquants, aux délinquants mineurs, si on veut. Et Boscoville a vraiment été créée à la toute fin des années 40, mais plus encore, il s'est développé dans les années 50, comme une institution destinée à la rééducation de ces jeunes-là qui avaient pris un mauvais pas dans la vie et en qui on croyait quand même, on croyait à leur réhabilitation et on considérait que pour ces jeunes-là, la meilleure chose pour vraiment leur donner une seconde chance dans la vie, c'était pas de les envoyer en prison. Ça, depuis le 19e siècle, on avait un petit peu réglé cette question-là d'envoyer les mineurs en prison et on savait que la prison, c'était un peu une école du crime. Donc, on avait écarté plus ou moins cette option-là. Mais ce qui avait remplacé la prison, c'était les écoles de réforme. Et d'aucuns disaient, dans les années 40, bien, les écoles de réforme, là, c'est une sorte de prison, en fin de compte, pour jeunes. Parce que, quoi, il y avait beaucoup de discipline dans ces grandes institutions-là. On pensait que ces jeunes-là, il n'y avait pas grand-chose à faire avec eux sur le plan intellectuel. Alors, on leur donnait une formation, soit en cordonnerie, soit en menuiserie. C'est un peu comme ça qu'on essayait de réformer. Quand l'idée germe de développer quelque chose qui soit moins disciplinaire, qui soit une institution qui aurait plus l'allure, au fond, d'une école où on permet à ces jeunes-là d'abord de récupérer leur grand retard scolaire, parce que plusieurs là, avaient une quatrième année ou l'équivalent quand ils entraient, même s'ils avaient 16 ans et plus, mais aussi de réapprendre en quelque sorte à se comporter en société, mais toujours avec une prémisse, si on veut, d'une certaine douceur, une certaine aussi compréhension de ce qui avait été l'origine de leur délinquance.
On assumait que la délinquance, c'était pas parce que le père était alcoolique ou c'était pas parce qu'il y avait des tares génétiques, comme on avait pu le croire auparavant. Ça pouvait jouer tout ça, mais c'était essentiellement une blessure psychique. C'était un problème de blocage intérieur, quelque chose qui avait été mal assimilé, mal digéré sur le plan psychologique. Et ça, c'est à cette blessure-là qu'il fallait d'abord s'adresser. Peu importe les causes, il y avait une cause. Il y avait une raison à la délinquance. La raison pouvait être familiale, elle pouvait être sociale, ça pouvait être la pauvreté financière, le matériel du milieu, ça pouvait être la pauvreté au niveau de l'encadrement et des valeurs familiales, ça pouvait être la personnalité même du jeune aussi. Mais c'est certain que pour moi, et là je rejoins avec les années Boris Cyrulnik, par exemple, okay, où ce qui s'est passé est plus ou moins pas important, mais et pas définitif. Si on a la possibilité de rencontrer ou d'établir des relations signifiantes qui vont nous permettre de corriger, entre guillemets, j'en prends ce terme-là même si je ne l'aime pas, mais d'amener la personne à se projeter autrement. Un vrai délinquant, un bon délinquant, c'est un gars intelligent. Mais il faut que tu sois plus intelligent que lui, dans le sens que le jeu du chat et de la souris, c'est un peu ça se joue là-dessus. Il faut qu'à un moment donné, il y a une bataille qui s'engage. Puis si l'éducateur n'est pas très brillant, c'est pas juste une question de formation universitaire, c'est pas ça du tout. Une question de capacité, de personnalité, là. Le délinquant le méprise, puis il ne fait aucun progrès, puis il ne reste pas. Il ne peut pas changer. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à changer puis à croire en lui. Parce que l'autre est en avant. Mais par contre, si tu es assez intelligent puis tu le déjoues, oui, tu l'affrontes, puis qu'il réussit à défausser ça, puis en même temps, chaque jour, de construire quelque chose qui fait que il peut commencer à croire que c'est vrai. Il faut que l'espoir se construise doucement. Si tu as 3 ou 4 succès de quelque chose, oui, tu sais que même si tu régresses, tu as 8 ou 3 succès, tu peux en avoir un 4e, un 5e, tu peux te construire, reconstruire. De sorte que c'est une façon de vivre en se servant de la vie de chaque jour. Dans les premiers contacts, on sentait très souvent, surtout chez les jeunes qui étaient ici pour la première fois, pour une première année, là, on sentait une espèce de méfiance. Il y avait aussi de l'arrogance. Il y avait de la dureté. Mais derrière cette dureté-là, je sentais un énorme appel d'air. Il y avait envie. Il y avait une soif. Hein? Il y avait une soif. Une soif, une curiosité. Mais je dois dire que dans les 5 ans que j'étais à Boscoville, j'étais dans le quartier des Limites. Les Limites. J'ai eu des contacts avec, je ne peux pas dire tous les jeunes, ce ne serait pas vrai. Là, on ne peut pas, mais avec, ça a cliqué avec plusieurs d'entre eux, mais de façon très intense, sans faux fuyant. Et il y avait quelque chose qui me fascinait chez ces jeunes-là. Quand la relation de confiance était établie, puis commençait à être nourrie, puis... Il y avait des beaux échanges. On pouvait se dire des choses. Boscoville a d'une part été le fruit de l'initiative d'Albert Roger, qui était un père de Sainte-Croix. En fait, quand il a commencé, il n'était même pas père encore, il n'était pas prêtre encore, il était un aspirant à la prêtrise, il était tout jeune, dans la 20aine. Et lui a vraiment eu l'idée du premier Boscoville.
Le premier Boscoville, c'est un simple camp d'été où les jeunes délinquants qui passent devant la cour juvénile de Montréal viennent faire un séjour pendant l'été. C'est souvent des petits gars qui sont jamais sortis de leur quartier montréalais et qui, là, vont vivre une expérience de plein air, vie de groupe, un peu à la manière scout, comme on peut se l'imaginer. Et un peu plus tard, en 1947, va se créer une institution permanente. Au début, là, c'est encore balbutiant. On a juste une installation assez sommaire. Et là, il y a une quinzaine de garçons qui sont hébergés dans une même maison que les éducateurs. Et il y a le père Roger qui est présent, mais il y a aussi un couple qui est très, très important dans l'histoire de Boscoville. C'est vraiment des pionniers. Et c'est à eux maintenant qu'on attribue le titre de pionnier. C'est Gilles Gendreau et son épouse Claire Lalande-Gendreau. Alors ça, c'est intéressant parce qu'au départ, c'est une profession qui devient laïque assez vite, hein, parce que rappelez-vous que c'était des frères de la charité autrefois, donc c'était normal que les frères vivent sur place, ça se faisait comme ça à l'époque. Mais pour des laïcs, c'était quand même un mode de vie à inventer que d'être éducateur pour ces jeunes-là. Et tout en résidant sur place les premières années, Claire Lalande-Gendreau et son mari vont même se marier là, sur le site même de Boscoville ou tout près à la chapelle qui est à côté. Ce sont les garçons de Boscoville qui vont être présents lors de la cérémonie. Alors, on voit qu'au fond, leur vie privée va être étroitement arrimée à la vie du centre et au début du centre. Donc, Claire Lalande-Gendreau, Gilles Gendreau sont forcément là, parmi les pionniers importants. Si on se tourne du côté des autres, eh bien, il y a très certainement Janine Guindon, qui, elle, est une psychologue de formation et qui va, dans les années 40-50, être très présente au sein d'une clinique. C'est la première clinique de psychologie qui existe au Québec, qui était le Centre d'orientation. Et elle est importante, Janine Guindon, parce que tout en étant psychologue, c'est elle qui va initier la première base de la formation en psychoéducation. Donc, ils vont donner les premiers cours et ensuite, elle va devenir professeure là, officiellement reconnue à l'Université de Montréal pour enseigner la psychoéducation. Donc, elle a collaboré étroitement avec Gilles Gendreau. Et puis, une autre de ses particularités, c'est qu'elle va vraiment avoir un rôle de théoricienne. On théorise qu'est-ce que c'est que la psychoéducation et à l'époque, on conçoit l'approche psychoéducative comme vraiment marquée par des étapes. Donc, le jeune ou la personne en difficulté doit franchir différentes étapes qui vont l'amener ou l'amener progressivement vers un mieux-être. Alors, Janine Guindon, elle est reconnue pas mal comme la théoricienne des étapes, même si Gilles Gendreau avait déjà établi des bases en ce sens-là. Quand ça a commencé, bien, c'était entendu que les garçons n'arrivaient pas 50 à la fois, non, quelques-uns à la fois. Alors, l'équipe initiale, avec Gilles comme chef de l'équipe d'éducateurs, qui ont commencé à recevoir les garçons. Et puis, chaque lundi soir, ils faisaient leur réunion pour faire le bilan de la semaine puis les problèmes de la semaine chez nous, dans notre maison. Ah oui. Moi, j'étais dans ma chambre à coucher, hein? Puis j'entendais la réunion, j'entendais tout ce qui se passait. C'était un vrai suspense. C'était vraiment extraordinaire d'entendre ça. C'est un peu comme les types, tu regardes un suspense à la TV là, le soir. Là, bon, ben, c'est la même chose, ça se répète tous les lundis. Alors, toutes leurs expériences sur le terrain, les événements qui se passaient, la réaction des gars, la réaction de chacun, parce qu'il y en avait sept, là. Il était huit avec Gilles, chacun avait ses perceptions, avait été plus témoin, moins témoin, puis ses réflexions. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, le gars s'est sauvé, est-ce qu'on doit se courir après quand il sauve, ou est-ce que... Bon, tu sais, c'était des bonnes questions. C'était vraiment tout l'évolution de l'intervention qui se faisait là, à même l'expérience sur le terrain. C'est ça l'affaire. C'est pas parti là, uniquement des théories. Là. Les théories, on avait appris, mais là tu étais sur le terrain, il fallait que tu te débrouilles, puis il fallait que tu règles les problèmes. Tu sais, t'as le sens ouvert. Donc, ils jetaient les bases là, d'un programme d'intervention. Bien, le programme était fait, mais là, tu as toutes tes connaissances. Oui, t'as après, là. Puis ils étaient là tout le temps. Là, hein, tu sais, y avait le système individualisé.
mais tout ça n'était pas quand même organisé encore. Les quartiers, les groupes se sont formés au fur et à mesure. Mmh. Le groupe qui arrive, là, c'était dans le pavillon d'observation, mais ça, c'était un peu tard. Il a fallu qu'il y ait quand même du monde, là. Oui. Et puis là, l'équipe des éducateurs augmentait en même temps que les autres. Alors, tu avais un tas de choses. En tout cas, c'était... Moi, j'ai trouvé ça fascinant d'entendre ça. Dans les années que je suis arrivé comme étudiant, là, c'était l'effervescence là, sur comment mettre, concrétiser finalement le modèle de Boscoville. Les grandes lignes étaient là, mais maintenant c'était, bon, comment on met ça en application? Comment, dans le vécu de tous les jours, ça se fait? Fait que ça, c'était formidable, moi, comme formateur. D'arriver dans cette époque-là comme formation, parce que ce que j'apprenais à l'université, on essayait de le mettre tout de suite en application dans le vécu de tous les jours, tu sais, avec les jeunes. Puis quand j'ai terminé ma formation en 66, en 1966, c'est l'année où Gilles Gendreau a écrit un peu la première expérience de Boscoville, là, dans ses grandes lignes, dans tous ses fondements, dans ses grands principes, tout ça. Fait que ça, c'était énormément, là, oh, c'était vraiment notre document d'inspiration, de base, là, tu sais, là, pour... là, c'était de dire, bon, mais ça va-tu marcher, cette affaire-là? Et c'est ça que, pendant X temps, on a travaillé, développé. Mais moi, comme j'étais jeune, parce que moi, je suis arrivé à Boscoville la veille de mes 19 ans. Fait que j'ai fait, moi, mon cours en 4 ans plutôt que 3 ans, parce que il trouvait que j'étais pas mal jeune. Puis effectivement, j'étais plus jeune que des garçons qui étaient ici. Parce que dans ce temps-là, la majorité, c'était encore 21 ans. Hein. Fait que c'est sûr qu'il y avait une grande demande. Fait que c'est pour ça qu'on était très bien accueillis. Puis... ceux qui étaient éducateurs en place, là, ils se croisaient les doigts et disaient « J'espère qu'ils vont rester après. » Mais sauf que c'était la première année, c'était tous les étudiants, dans ce temps-là, ça n'existait pas encore la psychoéducation, mais tous ceux qui voulaient devenir, disons, éducateurs spécialisés auprès des jeunes en difficulté, venaient faire leur stage à Boscoville. Une des décisions qu'on avait été prises comme équipe d'éducateurs, c'est oui. pas une décision de direction seulement, là. C'est que les étudiants, par exemple, qui faisaient leur maîtrise, il n'y avait pas de système de direction comme actuellement, tout bazar. Ouais. Nous, parce qu'ils acceptaient d'extracographier leur thèse. Ouais. Mais eux, ils s'engageaient aussi à ce moment-là. Pendant leur maîtrise, ils continuaient à travailler à Boscoville. Ah oui, OK. Puis on cherchait toujours une relève pour le développement. Fait que quelqu'un qui fait son bac, ses travaux de bac, ses travaux de maîtrise, puis on lui fournit le travail de dactylo et d'impression. C'est tout un soulagement pour les étudiants de l'université. Maintenant, quand tu tapes au dactylo, puis tu as des faux. Avec deux doigts, là. Fait que, à ce moment-là, ça je pense bien, ça invitait les gens à continuer de leur stage à Boscoville, leur formation. Puis aussi, ça les sollicitait pour continuer. Après, il y avait l'emploi. L'emploi est assuré parce qu'on avait absolument besoin. En année, ils sont arrivés 9 diplômés en même temps qu'ils sont restés à Boscoville. Ah oui. Ça a été l'année des vaches grasses à Boscoville. Faire reconnaître son statut, là, comme laïc, comme éducateur, parce que souvent, le gouvernement faisait affaire à des religieux qui étaient payés moindre, qui n'avaient pas de famille et tout ça. Alors, c'est sûr que ça pouvait être difficile pour le conseil d'administration aussi, mais ça a été gagné de pas à pas. Là. À un moment donné, il y avait une réunion au conseil d'administration. Il ne faisait pas partie du conseil d'administration. Lui, son statut, là, il y avait le directeur, qui avait le plus beau bureau de la place, là, puis il y avait le chef éducateur. Gilles avait son bureau, puis les éducateurs dans leur quartier avaient leur bureau. Eh bien... Et puis, il y avait le conseil d'administration, mais lui, tout le système qui s'installait, c'était Gilles qui s'en occupait. Père Roger, il faisait de l'administration, là. Et puis, quand, à un moment donné, sur le conseil d'administration, il y avait eu une discussion, je ne sais pas, mais ça concernait, justement, le domaine de Gilles. Alors, Gilles s'est présenté pour aller au conseil d'administration,
Il y avait des gens du ministère, il y avait des budgets, j'imagine, à accepter. Mm-hmm. Alors, elle s'est présentée, puis le représentant du ministère lui a dit que non, il ne fait pas partie du conseil d'administration, bonne affaire là. Alors, je lui ai dit oui, cette affaire-là, parce que ça nous concerne, nous autres, les éducateurs. Et puis là, c'est le père Lavallée qui était sur le conseil d'administration, ce que Gilles avait connu au collège, puis il connaissait très bien. C'est un bonhomme intéressant. C'est lui qui a dit, il va rester. Puis il a dit, j'appuie, il reste. Alors, c'est comme ça. Mais vous voyez, c'est tout dans ces choses-là. Il n'y a rien de gagné, là. Oui, il n'y a rien de gagné. Puis ça, c'était pas au tout début, là. Il y avait quand même du chemin à être fait, des réalisations qui étaient faites. Puis là encore, il fallait qu'ils se battent tout le temps. Alors, mais on nous a fait la place. Et puis, on l'a fait. Et puis, sur le campus, là, je vous assure qu'il y avait du monde. Les femmes, là, les enfants couraient. on se rencontrait entre femmes. Les enfants allaient d'une maison à l'autre. La vie était là. Ça grouillait de vie sur le campus. Et puis, les gens ont été heureux parce que les souvenirs qu'ils en ont, et c'est des bons souvenirs. Clients de Boscoville, qu'on appelle les citoyens, ce sont des jeunes qui, le plus souvent, ont entre 16 et 18 ans et au départ, alors que la majorité est un peu plus repoussée, de 16 à 21 ans. Donc, c'est des jeunes qui sont assez âgés jusqu'à un certain point et plusieurs d'entre eux ont déjà eu une expérience en institution, ont déjà connu d'autres centres d'accueil, ont déjà connu d'autres séjours en institution. Et lorsqu'ils aboutissent à Boscoville, c'est souvent dans un esprit de dernière chance. On leur offre ce qu'il y a de meilleur dans le réseau, ce qu'il y a de plus soutenant en termes de professionnalisme, en termes d'encadrement, en espérant que là, il va se passer quelque chose. Et c'était des jeunes qui venaient de toutes les couches sociales, à ce qu'on en sait. C'est pas nécessairement tous des gens qui viennent des quartiers défavorisés. Il y en a, mais il y a aussi des fils de professionnels. Ce sont essentiellement des garçons. Et puis, pour qu'ils soient admis à Boscoville, on faisait aussi en sorte de leur faire passer différents tests d'aptitude, d'intelligence, des tests psychologiques, afin de garder des garçons qui avaient un quotient intellectuel suffisamment élevé pour pouvoir, au fond, intégrer les apprentissages qu'ils faisaient à Boscoville. Alors, c'est pour ça qu'il y avait une sorte de garde, de triage, si on veut, à l'entrée. Et ce qui va peut-être faire éventuellement que d'autres centres vont dire, bien, Boscoville, ça peut bien avoir des bons résultats. C'est sûr, ils prennent juste les meilleurs. Alors ça, il y a eu aussi ce type de querelle entre les institutions en lien avec le type de sélection que Boscoville faisait à l'entrée. Je vous dirais, au plan intellectuel, au plan des capacités intellectuelles, l'ensemble des garçons de Boscoville étaient des jeunes qui auraient pu faire des études universitaires. Donc, il y avait déjà dans notre compréhension d'intervenant qu'on avait devant nous un jeune qui était en mesure, éventuellement, de conscientiser des choses, là, hein, de réfléchir, puis donc il avait les capacités de le faire. Il pouvait avoir des blocages, là, naturellement, mais le potentiel était là. OK? Mais au niveau de la délinquance, parce que souvent on disait, les gens qui venaient des autres institutions, ils disaient naturellement, Boscoville, vous les choisissez, hein, vous les sélectionnez. On ne choisissait pas en fonction des actes délinquants posés, là. OK? C'est sûr, mais on regardait davantage au niveau de la capacité du jeune à cheminer dans une démarche de changement aussi, là. OK? Puis à conscientiser des choses, là. Moi, je dois avouer très honnêtement que pendant les 5 ans que j'ai travaillé avec ces jeunes-là, les choses, les mécanismes, c'était pas tout à fait clair. On parlait de dévalorisation, d'exercice de valorisation. Bon, à un moment donné, il y a quelque chose qui se défend, là, on arrive à jouer avec ces concepts-là. C'est un peu plus tard, avec mes lectures, mes discussions, tout ça,
que je me suis rendu compte qu'effectivement, la plupart, pour ne pas dire tous, tous ces jeunes-là qui venaient, étaient très dévalorisés. Il n'y avait pas le monopole, tu sais. Il y avait des éducateurs qui l'étaient aussi, puis il y avait toutes sortes de monde. Donc, ils étaient portés des fois à se survaloriser sur des choses qui étaient plus de la barbe à papa, qui ne tenaient pas le coup. Et tranquillement, et ça, je me souviens des exemples, quand ce jeune-là réussissait quelque chose, et que quelqu'un lui disait, mais sans... était capable de le féliciter, mais sans que ça soit de la flatterie. Chantait une espèce de... Et au fil des années, j'ai découvert que j'avais vécu la même chose, c'est que tous les enfants, femmes et hommes, et tous les enfants, on se construit dans la vie, on se très jeune, à partir du regard des gens qui nous entourent, de quelques personnes qui nous entourent, de personnes qui nous sont importantes. Je donne un exemple. Il y avait un bonhomme au quartier Les Limites qui était à sa troisième année, terminé, et il y avait toujours un problème de bégaiement. Et j'avais, en accord avec les autres éducateurs, j'avais écrit une espèce de paradis de Don Quichotte et Sancho Panza. Parce qu'il y avait un bon ami dans le même quartier qui était plus petit, plus gracieux. Lui, c'était comme une asperge. Et j'avais dit, tu vas jouer Don Quichotte. Et c'était long avant... Il avait joué un petit peu dans les pièces des années précédentes, mais là, il avait le premier rôle. C'était fascinant. Parce que il a réussi à le faire sans bégaiement. Et de voir le regard des éducateurs, des éducatrices qu'il y avait à l'époque à Boscoville, et de ses pères, de la gang, pour moi, c'est constructeur, ça. Et parce qu'on parle d'exercice ou d'entreprise, de valorisation. Mais c'est pas juste théorique, là. Comment ça se passe? Et ça se passe beaucoup de la façon dont l'individu reçoit. Et ça se passe dans le regard et dans l'écoute. Moi, ce qui m'a frappée en refaisant cette histoire-là de Boscoville, c'était à quel point il y avait à l'origine une sorte de tension entre la vocation et la profession. Les premiers éducateurs qui ne portaient pas encore le nom de psychoéducateurs, c'était des gens souvent très jeunes, dans la jeune vingtaine, tout feu, tout flamme, qui avaient le feu sacré et création, mais ça supposait aussi qu'il y avait un grand don de soi. On faisait de longues heures. Comme l'idée, c'est le vécu partagé, eh bien, matin, midi, soir, souvent, il y en a qui étaient présents de très, très longues heures. Les réunions avaient lieu le soir. Alors, imaginez un peu des débuts où on s'investit pleinement. Il y a toute la frénésie d'être en train de créer quelque chose collectivement puis de donner le meilleur de soi. C'est un peu normal qu'à un moment donné, on ait voulu réguler un peu mieux ça, s'assurer d'avoir des conditions de travail un peu viables. Mais c'est très frappant quand on lit les documents des premières années, comment il y a cette idée d'oblation. C'est un peu un vocabulaire religieux, mais ça renvoie à l'idée de don de soi. Les temps de présence ou les activités n'étaient pas accordés par l'ancienneté, mais par la compétence.
Et les moments plus difficiles n'étaient pas assumés par les plus jeunes, mais par les plus expérimentés. Parce que c'était normal, c'était plus difficile. Donc, c'est pas de dire, ben garde, moi, je me choisis un horaire facile, et puis les autres, ben prenez ce qui reste. C'était pas ça. Je veux dire, il y avait un esprit, que ce soit des gens qui travaillaient à la maintenance ou la direction, il y avait un esprit qui existait. Alors, il n'y avait, je dirais, pas de hiérarchie jusqu'à un certain point. C'était, le jeune était important. On était d'abord là pour lui. Il y avait des choses que nous, on faisait au quotidien, au niveau de l'action ou au niveau des rapports. Au niveau de l'action, bien, notre présence, je dirais, était considérée comme thérapeutique. Notre façon d'être avec le jeune, sa façon d'être à lui, parce qu'on sait que c'est les comportements, on les répète et on les amplifie à un moment donné. Tu sais, quand on pour faire une image, quand ils disent dans des couples, essaye donc de travailler des petites choses, là, ça va vous éviter d'avoir des gros problèmes à un moment donné. Mais c'est la même chose, si tu travailles des petites choses, ça fait que ça éclaire le reste de la situation. Puis à un moment donné, le jeune voit que, regardons ça, puis tu lui fais prendre... prendre conscience de certaines attitudes, de certains comportements, ça se vit autant en faisant du sport, en faisant une pièce de céramique, que comme par hasard, tu es toujours le jeune qui est toujours en train de s'accrocher, puis comment ça se fait? Tu ne réussis jamais, c'est toujours là que ça brise ta pièce, c'est toujours là que, OK, puis c'est la même chose, il brise partout à tel moment donné dans ses relations avec les personnes et dans tout ça. Alors, c'était... On avait appris, je dirais, à aiguiser notre regard puis à intervenir ou à utiliser ce qu'on voyait. Des fois, c'était pas toujours tout de suite. C'était dans une rencontre avec le jeune un peu plus tard. Mais dans ce sens-là, on était toujours en activité thérapeutique. Puis c'est difficile à faire comprendre aux gens qu'un temps libre, c'est juste occupationnel, OK? Que c'est pas juste occupationnel, justement. Alors, on est porté à dire, ben oui, on va mettre... T'sais, quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, on va le mettre à ce moment-là, alors que c'est le contraire, parce que ce sont des périodes qui sont plus difficiles, puis tu continues à travailler avec le jeune, les choses dans ces moments-là. Moi, je me rappelle, parce que l'activité scolaire, c'était individualisé, donc chacun travaillait à son bureau. Il est arrivé dans un groupe, à un moment donné, un jeune qui arrivait, là. C'est un nouveau. Ça fait qu'il s'assoit, puis là, il commence à vouloir, tu sais, là... niaisé. Les têtes se sont levées, l'ont regardé et se sont penchées sur leur travail. Ça fait que ça... Il est obligé, il ne veut pas, de se concentrer sur son travail. Ça c'est ce qu'on appelait la tradition. Pour nous autres, à Boscoville, la tradition, c'était le deuxième éducateur. OK? Parce que quand tu as une tradition positive, tu ne vas pas à contre-courant. Le jeune qui arrive, il n'a comme pas le choix d'embarquer dans cette tradition positive-là. Sinon, c'est lui qui n'est pas... C'est très difficile à installer, c'est pas facile à maintenir, mais on travaillait très fort à ça. Il y a eu, à un moment donné, des groupes, je me rappelle, où c'est devenu là, comme groupe difficile. Là, ce que ça a entraîné, c'est que des membres de la direction se sont joints à l'équipe pour être en présence, pour renforcer, pour aider, pour supporter. C'était pas laissé comme ça en disant que, tu sais, là, on vous laisse aller. Oh non, c'était très surveillé, le climat. C'est ça le milieu. Le père Noël Mailloux, le fondateur de l'Institut de psychologie de l'Université de Montréal et qui va être un peu le professeur de tout ce beau monde, Gilles Gendreau, Janine Guindon, Eucharis Paulus, tout le monde va passer un peu par l'école de Noël Mailloux. Et lui était très présent aussi à Boscoville, va beaucoup s'intéresser à cette œuvre-là. Et il disait que lorsqu'un groupe de jeunes se désorganisait, ou lorsqu'il sentait de l'apathie dans un groupe de jeunes, c'est souvent parce que l'éducateur lui-même n'était pas tout à fait authentique. Hein? Il feignait l'enthousiasme, mais il ne le ressentait pas pleinement. Alors, c'était très exigeant pour les éducateurs qui devaient toujours, au fond, avoir une certaine réflexion sur eux-mêmes. Alors, on a beaucoup insisté pour que les psychoéducateurs fassent des thérapies et qu'ils aient aussi, de manière périodique, une supervision, c'est-à-dire qu'ils soient suivis par quelqu'un qui avait plus d'expérience dans le métier, avec qui
ils pouvaient échanger sur, au fond, leur pratique. Bon, cette semaine, là, ça n'a pas bien été. Les gars m'ont marché dessus. Au fond, ils n'ont pas respecté mon autorité. Ça n'a pas bien été. Alors, un échange toujours avec quelqu'un de plus habitué, de plus expérimenté. Retour toujours sur la pratique. Ce que je retiens le plus, moi, ce qui passe le plus dans une activité, c'est l'amour de l'éducateur pour son activité. C'est qu'on a eu, je regarde l'activité céramique dont vous avez sûrement entendu parler. Bien, c'était André Poirier qui était l'âme dirigeante de ça, qui a construit ça, mais c'était un artiste dans l'âme. On a eu des activités de théâtre, mais il y avait comme André Melançon qui s'occupait de ça aussi là, à l'époque. Bon. Et c'était des gens qui investissaient là-dedans. Puis les éducateurs qui faisaient cette activité-là aussi. Les activités sportives, c'était des éducateurs physiques qui aimaient ça. Ça fait que quand quelqu'un on se faisait... Chaque éducateur avait une supervision aussi. Supervision, ça a été pris dans le milieu scolaire. Un professeur qui est en supervision, c'est parce que ça va bien mal, il est sur le bord de la porte. À Boscoville, c'était très positif, une supervision. C'était une occasion de parler de comment ça va. Les difficultés qu'on a, mais aussi les joies qu'on a à vivre là, et les problèmes avec un tel et un tel. Et c'était très positif. Certains jeunes, ça prenait un certain nombre de mois avant d'y aller au niveau de ce qu'ils ressentaient ou de ce qu'ils vivaient. C'est sûr que l'élément maternel, il venait des fois dans des réactions pas intéressantes, là, ou l'image de la femme, de jeune, parce que tu interviens puis tu dis « Hey non, là, ça, on fait pas ça ». Puis que s'il y a eu une mère bien très autoritaire, exigeante, puis tout ça, puis à un moment donné, toi qui interviens, ça fait pas la même chose que l'autre qui dit exactement la même chose, même si t'es assez t'es fine dans ta façon de le dire, mais c'est quand même non. Puis ça crée des problèmes. Alors ça c'était repris des fois avec... Bien, évidemment, rarement tout seul à ce moment-là, comme j'étais nouvelle quand je suis arrivée, mais c'était aussi des fois avec un éducateur en présence. On regardait ça ensemble ou, si c'était possible, il me le renvoyait s'il l'avait vu tout seul pour retravailler cette question-là. Mais c'était pensé pour avoir, une éducation plus complète parce que les humains sont à la fois hommes et femmes. Hein, non, c'était une approche très... c'était très brillant d'avoir pensé à ça. Là. Je ne sais pas qui a eu l'idée initiale, si c'est Gilles Gendreau. Je sais que Guy Lapointe, qui a été le directeur qui a suivi, là, qui était adjoint au moment où je suis arrivée, c'est une des personnes, un des hommes avec lesquels j'ai travaillé, je dirais, qui était le plus ouvert à la question des femmes. Et lui a promu, après ça, la question de l'intégration de femmes dans le milieu, parce qu'il y en a eu d'autres. Je ne sais pas combien de jeunes sont passés toutes ces années-là par Boscoville. Ça, je ne sais pas. C'est-tu 400, c'est-tu 1000, c'est-tu... Mais je serais presque prêt... Je ne suis pas très gageur, mais à mettre beaucoup de sous sur, je dirais, les trois quarts de ces jeunes-là. C'était un parcours, ça n'a pas tout changé leur vie, mais c'était un parcours qui a compté beaucoup. C'était un moment qui a compté beaucoup dans leur parcours personnel. Pourquoi changer les choses? Ils décident ça dans des espèces de tours d'ivoire. Et il n'y a pas le contact. Moi, je parlais tantôt des éducateurs français, suisses, belges qui venaient à Boscoville. Et après 3-4 semaines, ils étaient complètement... Donc, ils étaient sur le terrain. Les gens qui ont décidé le changement de vocation, ils ne sont pas venus ici. Ils ne savent pas. Pour moi, c'est sûr que la fermeture de Boscoville, au sens de on a fermé Boscoville. Hein? On n'a pas juste fermé des locaux.
on a fermé l'esprit de Bosco, à mon sens, à moi. Parce qu'on aurait pu vivre ça ailleurs. Okay? Mais il y a des caractéristiques de base qu'il faut respecter pour vivre ça ailleurs. On peut difficilement vivre l'approche de Boscoville dans un milieu fermé. On peut, oui, transposer au niveau de certaines valeurs dans la relation avec les jeunes, dans la... Mais le milieu se prête plus ou moins à ça, à tous les cas, dans ma conception. Moi, le jeune qui vient des milieux où on se parle jamais, puis qui arrive à Boscoville, la marche est haute. On va-tu prendre le temps d'apprivoiser ce jeune-là? On peut-tu sortir des sentiers battus un peu, explorer d'autres façons d'accrocher ces jeunes-là? Alors, Boscoville a fait un peu les frais de cette vague importante de compression qui a eu cours à la toute fin des années 90. Et ça a été vraiment ressenti comme une onde de choc parmi les anciens éducateurs, mais aussi les anciens... citoyens de Boscoville, certains d'entre eux qui avaient beaucoup bénéficié de leur séjour en institution se sont mobilisés pour inviter le gouvernement Bouchard de l'époque à renverser la vapeur et à revenir sur sa décision au nom justement d'une expertise professionnelle qui s'était développée depuis les années 40 et même 50 et puis au nom d'une institution qui avait fait sa marque. Alors, les raisons profondes aussi ont certainement à voir avec le contexte plus montréalais du réseau des centres jeunesse de l'époque qui se réorganisait, où il y avait des tensions, des enjeux politiques. Certains là, soulignent là, qu'il y a eu des décisions vraiment de type plus politique qui ont été prises là, à l'intérieur du réseau montréalais. On peut dire qu'il y a quand même un héritage de l'expérience de Boscoville. D'une part, tout ce qui se fait dans les départements de psychoéducation est encore en partie influencé par cette expérience-là, parce que plusieurs des fondateurs des départements de psychoéducation, que ce soit ici à Sherbrooke, mais que ce soit aussi à Montréal, à Trois-Rivières, sont des anciens de Boscoville qui ont ensuite poursuivi leurs études pour se recycler, pour devenir professeurs. Alors, ils ont toute cette culture-là acquise au sein de l'institution. Depuis la fermeture, il y a eu une sorte de relance, c'est-à-dire la création d'un organisme qui s'appelle Boscoville 2000, qui est un organisme qui se destine surtout à la formation continue. Donc, des éducateurs qui sont à l'emploi de telle école ou de tel centre jeunesse, qui vont se recycler, qui vont suivre des formations qui sont dispensées par Boscoville 2000 et qui portent un peu tout le bagage acquis au sein de ces 60 ans d'histoire de Boscoville. Donc, il reste quand même, malgré la fermeture de l'institution, une certaine empreinte de Boscoville dans la profession de psychoéducation. Qu'est-ce qui en reste de cette culture-là, de cette idée-là aussi d'une réhabilitation des mineurs judiciarisés? Qu'est-ce qui en reste? Oui. Je sais pas. De l'esprit de Boscoville? De l'esprit, je pense que ça s'est transmis beaucoup, là.